Salut à tous les amis vaccinés, c'est moi, c'est Xavier. Aujourd'hui il fait très beau ici dans le Hauts-de-France et j'espère que chez vous c'est la même chose. Je profite qu'il y a du soleil pour faire une courte vidéo pour vous montrer un peu de l'avancement. Donc j'ai pas fait des gros travaux encore car j'ai commencé qu'aujourd'hui. Donc hier je l'ai pas fait avant-hier non plus, j'avais mal au dos. Donc là ça va beaucoup mieux, j'ai commencé à enlever les mauvaises herbes. Donc là sur cette suite de cette vidéo vous allez voir ce que j'ai fait. J'espère que vous allez aimer et puis j'espère vivement ce week-end pour commencer à faire des petits travaux du bassin. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Allez, à tout de suite pour la... Voilà les amis, à l'avancement du bassin. Donc j'ai travaillé un peu le lundi matin, après depuis j'ai pu retravailler dans le bassin. Je me suis reposé parce que j'ai mal au dos, ça fait très très longtemps que j'avais pas bêché, donc j'avais des courbatures au bas du dos. Donc là j'ai ralenti un peu. Donc là j'ai fait ça, j'ai fait de ce côté aussi. Il y a des choses encore à faire. Bon, des mauvaises herbes, je les ai retirées ici. Vous voyez déjà le tas de mauvaises herbes qu'il y a. Là-bas, j'ai commencé à le faire là-bas. Et puis l'objectif après, c'est de faire tout le tour, quoi. Là-bas aussi en face. Enlever les mauvaises herbes, nettoyer la terre que j'avais enlevée, la mettre à plat sur différents endroits. Et puis j'espère que ce week-end, si j'ai le temps, si j'ai pas d'autres choses à faire, je vais commencer à vider ce bassin entièrement. Enlever les poissons qui restent et changer tout, refaire tout. Et on verra d'ici avril ou mai pour acheter la nouvelle bâche. Et voilà. Donc là, il y a beaucoup de taf, je suis tout seul en ce moment donc à travailler. Donc je peux pas aller plus vite si on est à 3 ou 4. Donc voilà, puis après, tout doucement, refaire le grillage autour. Grâce à cette tempête, bien, tout est arraché, tout est dépassé. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu un peu et puis si vous avez aimé, ben, mettez-moi un pouce bleu et si vous souhaitez m'encourager, ben, les commentaires sont bienvenus. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi sur ma chaîne du bassin amateur et continuez comme ça à partager. Ciao, bye bye.